There is nothing I can do. As you leave me here to cry, there is nothing I can do. As you leave me here to cry, baby, my love, where to follow you? As the years go passing by, I give you all but a home, and that one thing you get denied. I give you all but a home, and that one thing you get denied. Baby, my love, where to find on you? As the years go passing by, bonsoir à tous, bonsoir le chat, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Bienvenue pour ce live numéro 107 autour de la fucking main droite. Bon, la main gauche pour les gauchers, oui d'accord, on le sait, les minorités, n'oublions pas. Mais vous avez compris, c'est la main qui joue les rythmes. Alors en générique, là, vous venez d'écouter le groupe Blues and Key, donc je vous ai fait écouter les Jojo à Gogo la semaine dernière. Et là, c'est un autre projet auquel j'ai pu participer, j'ai eu la chance de participer. Blues and Key, on a fait un petit EP il y a 2-3 ans, hein, avant le Covid, dans l'autre monde. Et voilà, ça c'était As the Years Go By, de je sais plus qui. Hein. Mais voilà, un standard de blues. Oh, c'est bon ça. Tiens, d'ailleurs, le gars que vous entendez là faire un solo de guitare magnifique, eh ben, c'est Guillaume Massy, le gars qui m'a fabriqué ma précision rose qui est derrière moi. Bon, je vous conseille de vous renseigner sur cet homme. C'est un super zikos. Et c'est un super luthier en même temps. Voilà, Guillaume Massy, les guitares GM. La punch bass rose, c'est lui. Bref, bienvenue pour ce live autour de la main droite. Bah alors, live qu'on va consacrer aux débutants, principalement. Je vous cacherai pas. Donc, je vois que dans le chat, il n'y a pas que des débutants. Comme d'habitude, on essaiera de corser un petit peu l'affaire vers la fin du live. Mais là, on va essayer de réviser un petit peu nos rythmes main droite, c'est-à-dire de générer des valeurs de notes qui soient intéressantes rythmiquement, des noirs, des croches, des doubles croches, et puis des formules rythmiques. Pour les anciens qui ont assisté au live précédent, je vous cacherai pas que celui-ci est un petit rappel au live, un petit rappel du live 67, le live maudit avec toutes les formules rythmiques qui ont posé tant de problèmes à tant de bassistes en herbe. Et on va y revenir de manière plus simple avec des nouveaux grooves et tout ça. Donc je vous mets, hop, un petit document, comme d'habitude, vous pouvez le récupérer soit en devenant membre, comme Laurent vient de le faire, merci à toi Laurent, tu es en vert à présent dans le chat. Vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube via un abonnement mensuel. Bon, je vous ai mis le résumé là en dessous, comment faire pour récupérer le contenu des lives, soit en faisant un don sur Tipeee de 2 balles,
pour récupérer le fichier Guitar Pro et son équivalent en PDF que vous pouvez voir à l'écran de toute façon ici. Voilà. Petite parenthèse sur Guitar Pro, je viens de passer à Guitar Pro 8. Donc pour l'instant, je continue d'écrire sous Guitar Pro 7. Mais pour les aficionados de Guitar Pro, il y a une petite mise à jour qui est dispo, Guitar Pro 8. Et avec plein de nouvelles fonctions intéressantes pédagogiquement. Donc je ne vais pas tarder à l'utiliser. Et histoire de faire la transition, je continuerai de vous mettre les fichiers sous Guitar Pro 7. Plus Guitar Pro 8, plus un PDF, et comme ça on aura la totale. Bref, comme d'habitude, posez vos questions en majuscule. Par exemple, Seb, le mot de passe a changé, Seb, pour récupérer le contenu. Oui, il a changé, il faut que tu ailles voir la dernière vidéo réservée aux membres VIP. J'ai mis des petites vidéos avec le mot de passe qui change tous les mois, tous les débuts de mois. Sinon, tu m'envoies un petit MP et je te donnerai ça pour récupérer ce contenu. Ok, est-ce que tout va bien dans le chat? On va essayer, comme d'habitude, de participer au maximum. Les nouveaux qui seraient sur ces lives, bah, n'hésitez pas à participer dans le chat aussi. Si vous avez des questions, si vous avez des réponses à mes questions, comme ça, on interagit au maximum et c'est cool. Alors, ce que je vous propose donc pour travailler le rythme, d'abord, on va se servir d'une petite gamme. Donc là, je me suis choisi la gamme de mi pentatonique majeur. Tout à l'heure, il y aura la gamme de mi pentatonique mineur. Bon, c'est histoire de choisir un cadre harmonique, quoi, hein, une gamme dans laquelle on va pouvoir évoluer. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ou ceux qui la connaissent mais qui n'osent pas la jouer parce qu'il y a des fucking cordes à vide dedans. Voilà la gamme de mi majeur pentatonique. Fondamentale, seconde, tierce majeure, quinte, sixte. Et nous voici de retour avec le mi, la fondamentale à nouveau, l'octave. Ok ? Pardon. Donc il y a une corde à vide, c'est la fondamentale au départ. Alors là, si on joue par exemple, là en guise d'intro, si je vous joue le début de What's Going On de Marvin Gaye. Alors les puristes doivent jouer sur une Fender Precision de 1965 avec des cordes filées plats et un seul doigt à la main droite. Alors attention, ce soir, c'est pas un live sur la technique main droite, on s'en fout. Mais c'est sur le fait de générer des rythmes. Donc, les puristes, un seul doigt, comme James Jamerson. Avec des filets plats et tout ça. Donc, moi, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai un truc type jazz bass, avec deux micros, des filets ronds, et je joue avec deux doigts. Donc, on est bien d'accord. Le purisme n'a pas sa place ce soir. Mais tout ça pour vous dire, par contre, que la densité rythmique de What's Going On Brother, brother, ok. Eh ben, c'est intéressant parce qu'il y a un mélange de toutes les figures rythmiques qu'on peut croiser et qu'on va croiser un petit peu ce soir. Noir. Des croches, des doubles croches, des silences, etc. Et en fait, si on arrête un petit peu d'analyser sans arrêt les lignes de basse en termes de notes, mais qu'on les analyse plutôt en termes de rythme, eh ben, on va voir différemment ces lignes de basse. On émane pour la créativité. Hein. Moi, je suis encore toujours intéressé par la créativité. Même au niveau de notre créativité, si on arrête de focaliser trop sur « c'est quoi les fucking notes qu'il est en train de faire, machin et tout, ici ?» mais qu'on s'intéresse plutôt à la densité,
C'est ça le rythme de la ligne de basse, quoi. Et ben franchement, on peut changer un petit peu notre vision des choses et commencer à faire des choses peut-être à moins focaliser sur la main gauche. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire comme note? Je ne sais pas. J'en fais plein et ça donne rien. Voilà, moi je me suis retrouvé dans cette situation pendant des années à essayer de faire des lignes de basse en me disant allez, je fais un groove, hein. Allez, je connais celle-ci, je vais mélanger. Ouais, puis au fait, tu vas mettre un tempo un jour ou pas? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pendant des années, ça a été ça. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait être intéressant rythmiquement d'abord pour faire des lignes de basse qui groovent, en fait, quoi. Voilà un petit peu l'objet de ce live, et comme le live 67, et comme le live peut-être 72, et comme le live après. On a fait plusieurs lives sur le rythme, et on va continuer, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, dès lors qu'on met du rythme... Eh ben ça va mieux. Et pourtant c'était les mêmes notes que tout à l'heure, hein, quand je faisais nappe. Ok, donc du coup on va parler de ça. Et donc comme on s'adresse d'abord aux débutants, les amis, voilà donc la gamme pentatonique majeure. Un petit exemple, rythme de noir, 4 noirs par mesure. Donc on va aussi en profiter pour se dire ben pour jouer des lignes qui soient rythmiquement intéressantes, il faut aussi être conscient d'une mesure à 4 temps qui passe, quoi. Et donc, si vous commencez par jouer 4 noirs par mesure, 4 temps par mesure, eh ben, vous commencez à rentrer dans le fait de jouer des boucles et de ressentir ces 4 temps par mesure qui passent. Donc, je vous ai mis un petit walking blues pour illustrer un rythme uniquement avec des noirs. Donc, comment se rendre compte au mieux de ce que ça donne? Eh bien, il faut trouver une petite batterie, un petit batteur blues. Est-ce que j'ai ça dans le coin? Si je te mets ça... À 80, à la noire. Le gars est un petit peu agressif sur sa caisse claire. Voilà. 1, 2, 3, 4, walking. Et dans votre tête, soit vous comptez tous les temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Mais moi, ce que je vous conseille, quand vous voulez vraiment développer votre sens rythmique, là, sur ce coup-là, avec 4 noirs par mesure, assez simple. Moi, je vous conseille de compter plutôt que le premier temps et vous jouez votre ligne de basse. Mais par contre, le premier temps de chaque mesure, je vous montre ça. 1, 2, 3, 4, 1. 1. 1. 1 1 1 1 OK 1 1
1, etc. Vous essayez de localiser le 1 de chaque mesure et vous commencez à travailler votre pulse interne en essayant d'entendre les 4 temps qui passent. Donc, première phase, vous pouvez compter les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Deuxième phase, 1 et vous jouez. Et rendez-vous sur le prochain 1. Okay ? Et là, vous devez vous coordonner, votre horloge interne et tout ça. Vous devez vous coordonner. Vous savez que vous jouez 4 notes par mesure. Vous êtes sur le 1. 1. Et vous devez vous rendre compte que vous êtes en train de jouer 4 notes par mesure, de ressentir ça petit à petit. Et votre point de rendez-vous, c'est le premier temps. Voilà qui est fait pour le blues. Et un jeu en noir, ok ? Donc là, le blues, c'est un exemple parfait pour jouer que des lignes de basse à base de noir. C'est le premier rythme qui doit nous venir, hein, pratiquement. Un des premiers rythmes, quoi, ok ? Bon, est-ce que ça va dans le chat pour l'instant ? Je ne vous ai pas posé de questions, je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai pas embêté. Hein, mais ça va venir, évidemment. La même gamme en croche, ce que je vous ai mis juste derrière. Je vous fais remonter un petit peu ça. La même gamme en croche. Donc maintenant, on va passer à un rythme de croche. Bon, ben, vous prenez l'exercice et puis, voilà, 2 notes par temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2, 3, 4, on s'en fout pour la fin. Ok, et vous commencez à ressentir cette pulse en croche. Etc, etc. Vous choisissez votre technique de main droite comme vous voulez. On s'en fiche là, on est sur le rythme. Donc en slap, au médiator, au doigt, avec des moufles. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut que les croches soient bien en place. Et je vous ai mis un petit groove rhythm and blues pour illustrer une ligne de basse avec que des croches. Okay. Donc ça, on va se la réviser. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, ça c'est un bon petit rhythm and blues. Alors on va bien trouver une petite batterie rhythm and blues. Est-ce que j'ai ça quelque part ? Ouais, j'avais ça quelque part. Il va me donner de la soul, ce petit... Ouais, tiens, est-ce que je collerais un rythme Motown ? Est-ce que ça collerait là-dessus ? 1, 2, 3, 4. Pareil, là on est sur un tempo cool. Maintenant, c'est la même chose quand vous augmentez le tempo. Stop in the name of love before you break my heart. Oh, je vais me faire strike. Ok, hein, vous voyez le principe ? Juste un rythme de croche. Pardon. Ok. Hop, stop.
Bon, est-ce que ça va pour vous jusque-là, un rythme de noir, un rythme de croche? Dans cet exemple, tu pars sur quel 1, me demande Jester. Alors justement, quand on écoute une boucle de batterie comme ça, c'est le jeu, hein. C'est comme pour un peu tous les styles, le reggae, la question se pose aussi. Where is the one? Le 1 et tout ça. Là, par exemple, le style Motown, années 60, la Tamla Motown, Marvin Gaye, Diana Ross, etc. Quand on écoute bien la batterie, bonne question. Je la remets. Vous l'entendez au fait la batterie ou pas? Oui? Oui, je crois. La caisse claire est jouée sur tous les temps. Clac, 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 on claque, on claque, clac, clac, on claque, on claque, clac, clac, on claque, on claque. Ok? Donc ça, c'est un style de jeu à la batterie qui est vraiment typique des rythmiques Motown. Donc il faut, à force d'en écouter, on se repère par rapport, je sais pas, par rapport à la mélodie, par rapport aux autres instruments qui jouent autour, et on se dit, hop là, le 1 est ici, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 1. J'ai mis quoi? On va revenir sur la ligne de basse. 1, 2, 3, 4. Attends, on va se calmer, je vais ralentir à nouveau hein, le tempo. Wow. On a dit que c'était pour les débutants. Là, 80. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 2. 1. Pardon. Donc c'est pareil quand vous jouez des croches comme ça, à force de dire le 1, le premier temps de chaque mesure, hein, Jester, et ben ça y est, on commence à ressentir le cycle de 8 croches par mesure qui passe, quoi. Et donc l'objectif, encore une fois, de rationaliser un petit peu tout ça là, c'est que l'analyse nous amène du ressenti de plus en plus, pour que au bout d'un moment, on n'ait plus besoin d'analyser, que ça soit vraiment internalisé. Mais qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire ce soir? Je suis en forme, j'ai bu trois Coca-Cola d'affilée. On passait par analyser pour internaliser. Non, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est fou, c'est fou. Non, mais pour moi, c'est fou, hein. C'est un effort intellectuel Ouais, vive le coca. Bref, je n'ai rien pris d'autre, hein. J'ai rien mis dans le coca. Bref, salut Fabrice. Bon, en tout cas, voilà, rythme de noir ou rythme de croche, l'essentiel, c'est ce que disait. Oh, merde, ça par contre, analyser, internaliser, c'est bon, mais le bassiste de James Brown, Bootsy Collins, dit dans une vidéo connue sur YouTube, The One Baby, The One Baby. Voilà, savoir toujours où on est dans la mesure, donc savoir toujours où est le 1. Là, on a joué des noirs, on a joué des croches. À chaque fois, on tape le 1. 1. 1. 1. Toujours savoir où on est dans la mesure pour se renforcer rythmiquement. Et notre main droite, elle génère un rythme de noir, un rythme de croche. Et maintenant, on va passer, je crois, hein, au rythme de double croche. Et il va pas falloir lâcher l'affaire. Donc là, ça veut dire que double croche, 4 notes par temps, 16 notes par mesure. Pareil, vous pouvez vous entraîner sur la même gamme, mais en double croche. Fondamentale, seconde, tierce, quinte, sixte. Fondamentale, seconde, tierce, quinte, et on revient.
Alors, si on doit parler un petit peu de quand même de technique main droite, hein, l'idée est simple. Alternance ici. Ok. Alternance parfaite. Bon, alternance au maximum, du raking pour redescendre. C'est pas le sujet ce soir, on se refera un live sur la technique main droite. Mais là, on est sur un live rythmique. À propos de ce live, n'oubliez pas, petit instant promo, vous pouvez laisser un petit j'aime sous la vidéo. Vous pouvez rejoindre le club VIP en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous avez des lives supplémentaires deux fois par mois, le mercredi à 21h. Vous pouvez récupérer directement le contenu des lives une fois que vous êtes membre. Et c'était la petite pub, très court, concis, précis ce soir. On est efficace au maximum. Qu'est-ce que je disais ? Oui, on retourne sur le document, donc on est sur des doubles croches. Et là, ben, pour vous illustrer un groove en double croche, eh ben, je vous ai mis un bon vieux rock californien des années 90. J'ai inventé ce titre de toute pièce, je le confesse. Ça rime presque. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Là, je me suis fait peur. Je vous ai mis un fil à la fin. Un truc comme ça. Je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Ah, mais c'est parce que je suis allé trop vite. L'escroc. On va le speeder après. Donc là, c'est toujours pareil. Le but de ce groove, tout en double croche continue, comme tout à l'heure les croches en continu, comme tout à l'heure les noirs en continu, c'est de vous habituer à ce débit de double croche. Et toujours pareil, avec l'espoir que vous continuiez de vous repérer dans la mesure. Donc là, on va jouer ça, mais cette fois dans un esprit rock. Je vais vous trouver ça. Boum, rock, on va se dire, allez, un petit... Qu'est-ce qu'on a ? Oh, j'en ai marre de straight beat. Est-ce que j'ai pas un truc un peu plus musclé ? Metal ? Oh, non. Ah ouais, voilà. Ouais, du rock. American rock beat. Ça donne quoi, ça ? Voilà. Le document. Pour même à 80, ça va vite, hein. Bon, ça, c'est un mouvement continu de double croche sur une batterie rock. On imagine, quand vous regardez les accords ici, qu'un guitariste puisse faire... etc. etc. etc.
Donc là, on est sur un rythme de double croche. Bah, c'est pareil. On devrait pouvoir compter les 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1. 1. 1. 1. OK ? 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ouf. Ok ? Soit vous comptez tous les temps, soit vous comptez que le premier temps de chaque mesure. Ok ? Et ça doit tracer à la main droite, infaillible, puisque... on est sur un tapis de double croche, donc ça va assez vite, c'est assez chaud à jouer, mine de rien. Bon, bah voilà, petit challenge rock en double croche. Ceci étant posé, rythme de noir, rythme de croche, rythme de double croche. Ok, quand ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe derrière? On va descendre le PDF. Que la gamme a changé. Gamme de pentatonique mineure. J'aurais pu mettre un E à mineur, évidemment. Et donc on change de gamme, histoire de changer d'ambiance un petit peu. Là, on a écouté une gamme penta majeure. Là, on va passer sur la mineure. Donc forcément, il va y avoir un petit choc pour l'oreille. On va se la dérouler comme ça. Ok, donc on se la met un petit peu dans l'oreille, on s'habitue. Ok, la couleur penta mineur. Ça y est, vous l'avez dans l'oreille, vous avez oublié la penta majeure. Donc on peut la jouer. Fondamentale. Tierce mineure. Quarte, quinte, septième, octave. Et pour ceux qui ont envie, vous continuez après l'octave. Fondamentale, tierce, quarte, quinte. Et on peut redescendre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait nos rythmes de noir, de croche, de double croche? Ben pour moi, l'étape suivante, c'est d'incorporer des silences. Voilà. Donc du coup, hey, bienvenue chez les membres. Patrick, bienvenue à toi, merci à toi. Dans le chat, tu es en vert à présent. Et donc du coup, puisque finalement, les lignes de basse, comme vous l'avez vu chez James Jamerson au début du live... c'est pas des mouvements continus tout le temps. C'est bien de le faire pour appréhender des mesures à quatre temps, ressentir les cycles. Mais évidemment, les lignes de basse sont faites d'abord de notes et de silence, et ensuite de valeurs de notes qui peuvent changer tout le temps. Il peut y avoir des noirs mélangés avec des croches, mélangés avec des doubles croches, et tout ça mélangé à des silences, avec chacun leurs valeurs respectives. Et bref, ça donne des trucs... ça donne des trucs très variés, très rythmiques, encore une fois. Ça, c'est encore la main droite qui nous propose ces rythmes-là, quoi. Donc du coup, pour histoire d'y aller progressivement, ben, je vous propose, maintenant que vous avez vu la gamme de mi pentatonique mineur, ben, de l'utiliser pour jouer des grooves, quoi. Et alors, dans un premier temps, en dessous, je vous ai mis « Retour au rythme de noir en incorporant des silences ». Donc là, on va s'aider d'un batteur aussi. On va prendre une batterie gentille. Ça, par exemple. Voilà. Toujours pareil, on est conscient de... du temps qui passe. 1, 2, 3, 4. Et donc, le but du jeu pour la mesure 29, c'est d'incorporer des silences à base de noir. Donc, du coup, les silences que vous voyez durent un temps, l'équivalent d'une noire. Ok. Donc du coup, on va faire ça. 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, je vous ai enchaîné les 4 mesures. Et à chaque fois que vous voyez un silence sur un temps, et ben vous ne jouez pas, tout simplement. Donc maintenant, le jeu, c'est d'arriver à sélectionner des temps où vous jouez et sélectionner des temps où vous ne jouez pas. Donc là, je vous ai mis les silences vraiment au hasard, sur la partoche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, vous pouvez voir que tout est permis. Par exemple, sur la mesure 32... La mesure 32, bah le 1, c'est un silence, quoi. Bah ouais, c'est carrément possible de ne pas jouer sur le 1. Et c'est là, généralement, qu'on perd beaucoup de monde. Dès qu'on ne joue plus sur le premier temps, il y a beaucoup de bassistes et des musiciens en général qui commencent à être paumés, à plus ressentir où ils sont dans la mesure, quoi. C'est pour ça que je vous disais, même sur un exo comme ça, comptez tous les temps et au bout d'un moment, essayez de ne compter que le 1. Donc je vous refais l'exo, noir incorporé des silences, en ne comptant que le 1 de chaque mesure. Donc ça veut dire que je vais être au rendez-vous ici. Tiens, si je mettais une petite couleur, j'ai droit ou pas? Bon, non, il va m'emmerder. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, dégage, va-t'en. Va-t'en, et merde. Va-t'en, va-t'en, voilà. J'aimerais bien, mais je peux point, comme disait l'autre. Bon, il faudra que je regarde où c'est. 1 ici, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Et là, pour la dernière mesure, 1, vous dites le 1 et vous n'allez pas jouer, c'est un silence. 2, 3, 4. Allez, on essaye ça. 1, 2, 3, 4. 1. 1. 1. 1. Alors, est-ce que vous avez réussi à le faire avec moi ou est-ce que vous êtes lamentablement planté? Dites-le honnêtement. Dans le chat. Je vous la refais une fois. Mesure 29, 30, 31 et 32. On prononce le 1 de chaque mesure. Et on joue ce qui est écrit. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 2, 3, 4. OK ? Et ça, ça va nous aider aussi à, encore une fois, incorporer de plus en plus ce cycle de mesures à quatre temps. Ok ? Bon, comment ça va le chat ? On n'interagit pas plus que ça ce soir, je suis un petit peu déçu, je suis désolé. J'ai pas trop de questions à vous poser, je suis en train de dérouler mon truc là. Ça va, vous déprimez pas trop, non ? On va avancer un petit peu. Sur la ligne suivante, je vous ai mis un petit exemple de ligne de basse. En noir, avec des silences. Donc là, on évolue dans notre sens rythmique, on reste sur des noirs, tranquillou, mais on ne va pas jouer sur tous les temps. Alors, allons-y, on essaye ça. Tiens, j'ai un petit truc qui apparaît sur l'écran, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un type, quelqu'un a dû typer quelque part. Donc merci à la personne qui m'a envoyé un don, un type. C'est très sympa. On va prendre un petit truc, une petite batterie dance, parce que je vous ai mis le groove de Get Down On It. Get Down On It. Ça donnerait quoi si on trouve un petit rythme? Bon, simple. C'est tout pourri. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre ici? Un groove robot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nul à chier. Oui. Oh, mais je peux pas avoir un rythme disco sans deck. Allez, un petit funk. Tant pis, on va se mettre un petit funk, tout simple.
Bon, là, on est lent. Je vais l'accélérer un petit peu quand même. Get down, on est à quoi, 130? On essaye ça? 120. Ah non, là, j'ai mis 20. Clavier? Non, non, clavier, donne-moi. Alors, 120. Ah merde, je crois que j'ai tué mon clavier. 200? Non, non, non! Arrête! Putain, 120. Wouh! Ok, merci, 120. Excusez-moi. Alors, ça va donner ça, Get Down On It. Oh, il est un petit peu énervé ce batteur quand même. Allez, un petit 110 peut-être. Vous vous souvenez de ce titre là? Bon, pam 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 pam. Est-ce que j'aurais un petit truc? C'était un truc disco funk. J'arrive pas à trouver de truc vraiment disco là. Je l'ai mis à 110 ici. Des noirs et des silences. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Mais merde, je vais striker deux fois. Ça suffit. Putain, faut pas que je reprenne le morceau connu. C'est pas bon. C'est pas bon pour ma chaîne YouTube, les gars. En tout cas, vous voyez, j'espère, hein, le petit exemple, on incorpore des silences dans un rythme de noir. Toujours pareil. On essaye de nommer le 1 de chaque mesure. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Hein, ça ne vous empêche pas d'avoir les autres temps qui commencent à circuler dans votre pulsation intérieure. Vous devez commencer à ressentir le 2, 3, 4 qui passe. Mais affirmez à haute voix, hein, faites-le à voix haute à la maison. C'est important, c'est ce qu'on appelle chanter, hein, tout simplement. 1, 1, je sais que mon... Voilà, le début de ma mesure suivante est ici. 1, alors 1. Ce que je veux dire, c'est que même quand il y a des silences, la musique ne s'arrête pas. Vous devez continuer de ressentir cette pulse à quatre temps qui passe, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, chez les débutants qui joueraient cette ligne de basse, par exemple, je vais entendre un truc comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, si honnêtement vous avez déjà vécu ça ou pas, si vous l'avez déjà fait ou pas, ce genre de plan. Ça va donner ça. 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe là quand je joue? Est-ce que vous avez noté un truc suspect quelque part? Il n'y a pas un truc qui vous choque? Dans le chat, quand je fais tourner en boucle, ouais Chris, hein, ça se décale quoi. Tu ne reprends pas sur le 1, dit Laurent.
Je fais toutes les bourdes de débutants, dit Seb. La mesure 35 sur le temps 4. Peut-être, c'est possible. Ouais, voilà, on perd le 1, c'est joué trop tôt, dit Geoffrey. Voilà, et ça, c'est gênant. Ça, on doit sentir au bout d'un moment que, putain, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi, c'est le cas de le dire. Et très souvent, les débutants, on va faire ça. Métronome ou pas métronome. Et là, ça veut dire que l'oreille, notre oreille externe, c'est-à-dire notre oreille qui doit faire gaffe à notre environnement musical, eh ben, elle est un peu fermée, on est trop concentré sur ce qu'on doit faire. Et finalement, même si le métronome ici bat, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il y a le métronome. Je suis bien avec le métronome. Et pourtant, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui marche pas, quoi. Et en fait, effectivement, là, je suis en train de zapper un temps. Tu anticipes le premier temps de la première mesure, dit Pierre. Voilà, c'est ça, je joue trop tôt. En fait, je joue sur le quatrième temps de la mesure au lieu d'attendre le 1 suivant. Et là, c'est vrai qu'il y a un souci, quoi. Donc, l'appréhension de la mesure, elle doit se faire comme ça, hein, à travers ce genre de ligne de basse. On lâche pas le premier temps. Donc, il y a un truc qui peut être sympa quand vous travaillez au métronome. C'est ce qu'on fait avec les élèves, hein. C'est que on prend un métronome et le premier temps est plus fort que les autres. Tip, tup, 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 tip, tup, 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 tip, tip. Ah oui, là c'est bon, j'ai bien respecté les quatre temps par mesure, quoi. Donc ça, le métronome avec le 1 plus fort, ça peut être, ouais, ça peut être bien pour, pareil, se sensibiliser à cette mesure à quatre temps en cycle et de plus jamais la lâcher, quoi qu'on joue, quoi. Ok, ça c'était Get Down on It. Bon, alors maintenant, la partie un peu plus délicate, y compris pour les moins débutants d'entre nous. On commence à parler des croches, comme tout à l'heure, mais cette fois, on y incorpore les silences. Et là, effectivement, faut se concentrer un petit peu plus, quoi. Tout à l'heure, on a joué deux croches par temps, et ben là, on a toujours deux croches par temps, un et, sauf que le et, c'est un silence maintenant. Un et, deux et, 3 et 4 et l'inverse. Il y a toujours un et, sauf que le 1, c'est un silence. Ah, et là, je perds du monde encore. 1 et 2, 2 et 3 et 4 et. Waouh, ok. On va revenir sur un rythme plus simple. Tac. Et un petit 80 si mon clavier revient à la vie. Ouais. Et ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 maintenant, il va falloir faire ce qui est écrit. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Et ça peut prendre un petit moment, je vous cacherai pas, pour être bien coordonné comme ça. Hein, donc on bosse ça avec les élèves, hein, c'est du solfège rythmique. Et il faut s'habituer à entendre bah, ce placement au niveau des silences. Quoi. Okay ouais, est-ce que ça va dans le chat toujours? Je regarde un petit peu. Quelle serait la différence alors entre croche, silence et noir piqué? Bah, la durée de la note, Laurent.
croche, silence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La moitié du temps, tu joues, l'autre moitié, tu fais silence. Tandis qu'une noire piquée, c'est une noire complète plus la moitié de l'autre temps. Donc, tu vois que ça n'a rien à voir. Croche, silence, croche, silence, croche, silence, croche, silence. Noir piqué, noir, 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 noir. Quand je dis noir, c'est noir piqué. Noir. Noir piqué, noir piqué, noir piqué, noir piqué, noir piqué, noir piqué. Tu vois, rien à voir au niveau de la durée des notes, quoi. Donc du coup, je vous ai mis un petit groove disco-funk qui va illustrer ça. Donc ça veut dire que là, ben, on casse hein, de plus en plus une espèce de flux tendu de notes, soit des noirs, soit des croches, soit des doubles croches, comme on a fait tout à l'heure, mais on incorpore des silences et ça peut donner ça. Donc si on met une petite batterie. Salut les bonhommes, comment ça va aujourd'hui? Je parle lentement parce qu'on n'est qu'à 80, mais quand je vais accélérer, on pourrait croire que les bonhommes arrivent. Ah pardon Laurent, j'arrive. Je viens de te lire. Et là c'est pareil, même chose. Essayez de à chaque fois attraper le 1. 1. 1. 1. 1. Donc, comme je vous disais, Bonhomme arrive puisque je vais accélérer. Et ça ne doit rien changer à votre appréhension de la mesure. Vous voyez, ça a accéléré. 1, 2, 3, 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. C'est l'habitude, Émeric. 1. Ok. Voilà, quel que soit le tempo, encore une fois, d'être conscient de notre place dans la mesure. Et vous voyez que notre main droite génère des rythmes. On va dire que c'est elle qui génère les rythmes à base de notes, de croches, de noirs, de double croches. Et c'est la main gauche qui gère les silences. Stop. Et ça, on pourra le voir ou le revoir dans un live sur la technique. Bon, pour revenir à Laurent, ouais, désolé, j'ai confondu. Tu parlais de noir piqué et pas de noir pointé. Sorry. Quelle serait la différence alors entre croche silence et noir piqué? Aucune, a priori. Aucune. En termes de longueur, quasiment, moi je dirais quasiment aucune. Une noire piquée, c'est l'équivalent d'une croche avec un demi-soupir. Encore, bon, et encore, c'est tellement sujet à interprétation, c'est le cas de le dire. Une noire piquée, je pourrais même la jouer le temps d'une double croche. Ça dépend vraiment du contexte, comment le mec a écrit sa partition, ce qu'il a voulu transmettre comme info.
Noir piqué, mais oui, noir piqué, ce qui se rapprocherait le plus, ouais, c'est l'équivalent d'une croche et son demi-soupir, on va dire. On peut dire ça comme ça, je pense, ouais. Donc, ça permet de simplifier l'écriture pour certaines partitions. Est-ce que tout va bien ? Toujours, ça va, vous n'êtes pas trop dépaysé par ce petit live. Faut que je révise les 1, dit Laurent. Ben ouais, hein, faut pas se paumer dans la mesure, quoi qu'il arrive. Et donc, on arrive sur la partie un petit peu, peut-être la plus sérieuse. Ben, dès lors que les doubles croches se pointent. Pareil, souvenez-vous des tapis de double croche de la page 1. Et là, dans cette page 2, les mêmes tapis de double croche, mais avec des silences incorporés dedans, c'est-à-dire des quarts de soupir. Et là, c'est pareil. Il faut qu'on puisse les gérer. Donc, je vous ai mis une première mesure avec, ici, quart de soupir à la place de la quatrième double. Donc, quand vous jouez, on va jouer... je vais remettre à 80. Et on va jouer cette première mesure en boucle. 1, 2, 3... Pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme des bons petits français. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est un peu chiant. Tac et dimi, 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 tac et dimi. Bon, c'est indien. C'est chiant aussi. Moi, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac et dimi, tac et dimi, ta 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 ta, priti priti proutou proutou priti prapu. Ok, 1, I, A, E. Ce que vous voulez, vous choisissez votre truc pour compter les doubles croches. Mais en tout cas, là, faut enlever la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et finalement, votre oreille va finir par mémoriser ce placement qui doit faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok ? La deuxième... Oh là, je vous ai enlevé le document, désolé. Donc, première mesure, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le 4 a disparu, c'est un silence. Donc, en fait, il n'a pas disparu, il est toujours là, mais c'est un silence. Bref. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le 4, on ne le joue plus. Ok. Maintenant, mesure suivante, mesure 42, je vous ai mis un quart de soupir sur la troisième double. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, wow, 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 wow. Donc ça, c'est pareil, on arrive sur la zone dangereuse, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas qu'au-delà de l'analyse, il y a votre oreille. Et donc, si quelqu'un vous joue sur un tempo comme ça, vous devez finir par entendre que la formule qu'il est en train de jouer, le gars, c'est 1, 2, 4, 1, 2, 4, pa-pam, pam, pa-pam, pam. Et tout à l'heure, juste avant, c'était pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, le 4 n'est pas joué. Et ici, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Etc, etc. Troisième mesure, mesure 43. Il est 20h, je me dépêche. J'ai enlevé la deuxième double sur la mesure 43. J'ai mis un silence à la place, un quart de soupir. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça devient 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Pop, 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 pop. Ta, dimi, ta, dimi, ta. Ils font chier, les mecs. Bref. Ta, dimi, ta, dimi, ta, dimi. J'ai enlevé le quai. J'ai enlevé le quai. Ta, dimi, ta, dimi, ta, dimi, ta, dimi.
Ah merde. Et sur la mesure 44, bah j'ai mis un quart de soupir sur la première double. Et là, c'est vrai, on perd 75% des bassistes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on joue pas le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pareil, une fois que votre oreille a l'habitude d'entendre ce rythme. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Et vous ressentez les quatre temps qui passent. Poum. Tchac, boum, tchac, 1. 1. 1. 1. Ok. C'est chaud. Et là, on est presque à la fin. Je vous ai illustré ces différentes formules avec un petit groove que j'ai estimé reggae. Bon, ok, on va essayer de trouver une batterie reggae du coup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on en a écouté l'autre jour. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, ça a été l'enfer pour pas mal de bassistes. Where is the one? Et contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, le 1 n'est pas boum, boum, ici. Boum, non, c'est pas le 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous pouvez le dédoubler aussi comme ça si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hey, gentleman est devenu membre, merci à toi, gentleman. Bienvenue au club, tu es en vert dans le chat à présent. Voici le reggae, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, pardon, j'ai mis ça, donc je vais essayer de le jouer. J'arrive même pas à jouer. C'est que j'entends swing et j'ai pas mis de batterie swing. Alors on va essayer de le faire quand même. Ok. Alors, je reviens ici. Voilà, techniquement, j'essaie de vous le montrer. Bon, bref, tout ça pour dire que, boum, vous voyez que sur le premier temps, je vais reprendre mon petit PDF, vous voyez que sur le premier temps, je vous ai mis la formule 1, 2, 4, sur le deuxième temps, 1, 2, 4, sur le troisième temps, la formule 2, 3, 4, et sur le quatrième temps, la formule 1, 3, 4. Donc ça veut dire que toutes les formules ici,
Bah, il vaut mieux se les cogner, quoi. Les intégrer, les entendre, etc., comme ce qu'on a fait précédemment, pour pouvoir se dire, quand un gars joue papam, papam, pam, papam, 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 bah, qu'on puisse vraiment le plus vite, le plus tôt possible, comprendre ce qu'il est en train de faire rythmiquement. Papam, papam, c'était quoi? C'était papam, papam, pam, papapapam, papapapam, papapam, pam, papapapam, pa, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Pardon. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4. OK ? Donc tout ça pour dire que finalement, les lignes de basse les peut-être les plus intéressantes à jouer puis à écouter, quoi, à entendre, seront avant tout des lignes de basse rythmiquement intéressantes, quoi. Donc la dernière idée pour ce soir, c'est de se dire ça, la petite conclusion, c'est si on arrêtait de tout le temps penser main gauche, c'est-à-dire où sont mes notes, quelle note j'ai le droit de jouer, dans quelle gamme je suis, parce que est-ce que je connais ma gamme partout, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer comme note intéressante. Vous n'allez pas forcément jouer de notes intéressantes tout de suite quand on commence à vouloir créer ces lignes de basse, à vouloir groover en fait. Vous n'allez pas forcément jouer des notes intéressantes parce que vous allez utiliser une gamme, un système qui est utilisé depuis des centaines d'années et pour la basse depuis les années 50. Gamme pentatonique, échelle diatonique, gamme majeure, gamme mineure et tout ça. Au niveau des notes, vous allez surprendre pas grand monde de toute façon au début. Mais donc autant se cultiver sur autre chose, essayer de plus penser donc main droite, de penser rythme, quoi. Vous voyez, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'outils harmoniques à votre service au début, quand vous commencez la basse. Un arpège, une triade, une gamme pentatonique. Donc vous n'allez pas inventer des notes, quoi. Donc ce n'est pas la peine de se poser la question. Qu'est-ce que je pourrais faire comme note intéressante? Non, si, tout le monde l'a déjà fait. Donc autant se concentrer. Bon, on va finir là-dessus, peut-être, hein, si vous voulez bien. Est-ce que ça va dans le chat? J'ai perdu du monde. Oui, un petit peu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça y est, ils sont tous partis. C'est depuis que j'ai joué un reggae, ça y est. Sortez la drogue, sortez l'alcool, sortez tout. Avec modération. On peut finir là-dessus. Un petit rythme. Et puis finalement, par rapport à tout ce qu'on a dit là, on n'a fait que effleurer l'étude du rythme, en fait, à la basse, avec ce live 107. On était allé déjà un peu plus loin avec le live 67 qui remonte déjà. On continuera à étudier un petit peu les rythmes à la main droite qu'on peut faire. Juste pour illustrer ça, au bout d'un moment, l'idée finale, hein, une fois que le travail de fond est fait, c'est de pouvoir générer des rythmes à la main droite de manière aléatoire. Je suis en train de vous chercher une petite batterie qui pourrait accompagner tranquillos la chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Avec un ré 7.
Bon, là, quand j'essaye de trouver une ligne de base, de groover, je vais monter parce que je suis un petit peu faible sur le micro aigu. Un. Là, ma première obsession, c'est le 1 de la mesure. Même quand je vous parle, je dois pouvoir taper le premier temps de chaque mesure, parce que ça veut dire que j'ai incorporé les 4 temps qui passent. Donc même quand je m'adresse à vous, même quand je dois gérer le chat, éviter de dire trop de conneries, gérer la partition, gérer le live dans son ensemble, etc., faire gaffe un petit peu tout ça, j'ai un coin de mon esprit qui est axé sur les mesures qui passent, parce que là, il y a un batteur qui joue. Et si jamais il arrête de jouer, eh ben, je dois avoir quelque chose en moi, une pulse qui joue, une pulse de 4 temps sur ce coup-là, qui fait que je peux quand même appréhender la mesure et sentir quand le 1 arrive. Même si je vous parle, dans ma tête, il y a ça qui défile. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1. 1. 1. 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Que je joue ou pas le 1, je dois savoir quand il se pointe. 1 1 1 1. Qui est-ce qui est paumé là? 1. 1. 1. 1. 1. 1. Alors? 1. 1. 1. Quoi que l'on fasse, c'était un petit peu le but de ce live, c'est de ressentir la mesure à 4 temps. Et on l'a perdu, non, ça y est, c'est bon, je suis revenu. De ressentir la mesure, en fait, quoi. Et sachant que ben, y a pas que des mesures à 4 temps dans la vie, mais c'est surtout la mesure avec laquelle on a été formaté, éduqué, etc., depuis notre plus tendre enfance. Voilà, bah écoutez, ça va être un petit peu tout pour moi. Je vais vous laisser aller vous restaurer, peut-être. Et puis moi, je vous dis à certainement dimanche prochain. J'ai 2 concerts, le vendredi et le samedi, avec 2 formations différentes. Je crois qu'on part très loin, on va jouer à Sens, je crois. Le samedi, donc le dimanche, peut-être que je serai complètement rincé. Pas sûr qu'on joue dimanche prochain. Bon, je vais jouer à 5h ou 6h de chez moi, là. Le temps de rentrer et tout, on va rentrer le dimanche, on va jouer 5h le samedi soir, ça va être fou. Donc peut-être que dimanche prochain, je serai rincé, mais en tout cas, mercredi qui vient, pour les membres VIP, je le dis pour les nouveaux qui se sont inscrits ce soir, mercredi qui vient là, de la semaine prochaine, 21h, on se fait un live VIP, spécial membre.
Voilà, vous pouvez laisser un petit j'aime en partant, vous pouvez devenir membre comme je vous l'ai dit en début de live et milieu de live. À mercredi soir 21h pour les membres VIP. Dimanche prochain, pas sûr pour tout le monde, peut-être dans 15 jours. On se tient informé sur les réseaux et tout ça, mais il y a peu de chance. Je pense que je serai complètement mort. Mais merci à vous tous en tout cas d'avoir participé encore ce soir. Et puis on va se quitter avec une petite groovasse, tranquillos. Je vais monter un peu le tempo, improviser et essayer de ne pas perdre The One. Keep the One, baby, keep the One. Merci à tous et à très bientôt. Tempo, oula, 10, non, 100. Putain, je sens que je vais péter le clavier. 100, merci, c'est bon. Ouh, la technologie. Voilà, on est bon. Ciao, à très bientôt. Bye bye. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, ce Jojo à gogo. Voilà. Faut que je laisse le micro ouvert pour le 1. 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 Keep the one, baby. Keep the one. Ciao.